Nesquider, je suis artiste algérien, plasticien. Je remercie l'agence algérienne pour le rayonnement culturel pour cette belle invitation. Alors tout d'abord, j'ai fait mes études aux États-Unis. J'ai fait un Bachelor of Fine Arts en 4 ans. Et après, j'ai fait un Master en Studio Art une année. Et là, pour cette année, je vais rejoindre l'Université de Yale pour un Master en Sculpture. Cette période de confinement est venue avec beaucoup de recul, beaucoup de mise en cause. J'ai essayé de travailler sur un nouveau terrain qui inclut trois choses principalement. Le sujet principal qui est tout le temps, c'est les animaux sauvages. J'aime les animaux beaucoup, donc je les peins, je les mets en avant dans mes peintures. Ils représentent une certaine liberté. J'aime leur la gesture des animaux en général dans la peinture. Le deuxième élément, c'est l'élément de trait qui va à l'infini. Ça représente un peu ma signature personnelle. Troisième élément, c'est le graphisme. Et cela est vraiment empreint d'art africain, plus particulièrement d'art berbère. Je fais beaucoup de recherches par rapport aux symboles, au graphisme, aussi à la bijouterie, par exemple la bijouterie kabyle ou la bijouterie touareg. Je suis intéressé vraiment par ça et j'incorpore ça dans mes peintures. J'ai été intéressé par le tissage en tant que processus qui m'emmènerait vers quelque chose qui se rapproche du traditionnel. Donc pour moi, cette expérience m'a rapproché beaucoup de ma propre culture, mais aussi c'était une manière de revoir des objets qui peuvent être recyclés en des objets d'art en fait. Donc j'étais intéressé par le fait que ces objets peuvent perdre un peu leur identité précédente et épouser une nouvelle forme, épouser une nouvelle identité.